Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Curieux de Nature. Alors aujourd'hui on va parler camouflage et comment s'intégrer dans l'environnement pour que l'animal ne nous repère pas, ou le moins possible en tout cas. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous dire, comme vous le saviez, j'étais pas très bon en vidéo, du coup je me suis équipé un petit peu et donc j'ai fait appel à Gauthier Lefranc, alias LG Prod sur YouTube si vous voulez chercher, je vous mettrai sa chaîne dans la description. Qui est un Français qui habite près de Sedan et qui va m'aider à partir de maintenant pour faire les tournages et les montages des vidéos. Comme ça, ce sera un peu plus dynamique, etc. Parce que c'est vrai que ça manquait un peu de dynamisme dans mes vidéos. Maintenant que ceci est dit, on va pouvoir passer à la pratique et au cours en lui-même. Donc, on va commencer cette vidéo en parlant du camouflage, vraiment du photographe en lui-même, ou vidéaste évidemment, hein, ça va de soi. Alors, au niveau du camouflage, comme vous pouvez voir, moi sur moi, là pour le moment, je porte un camouflage dit 3D. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est tout simplement un camouflage en 3D, donc c'est un espèce de filet sur lequel est cousu des fausses feuilles. Vous voyez ici c'est des fausses feuilles, voilà, dans un espèce de plastique un peu. L'avantage de ce système-ci, comme ça, donc avec des fausses feuilles, c'est que ça ne se déchire pas trop, c'est assez proche du corps. Il existe aussi des ghillie suits, comme vous pouvez retrouver sur des sites de stock, des stocks américains ou des magasins de vente de matériel d'airsoft et des choses comme ça. Alors les ghillie, ça marche très bien aussi. Maintenant c'est beaucoup plus lourd, ça tient beaucoup plus chaud et ça s'accroche très facilement et ça se déchire très vite. Donc si vous traversez un champ de ronces avec une ghillie, vous oubliez, vous allez tout le temps vous rester accroché, vous allez devoir tout arracher et c'est galère. Autre chose pour le camouflage, moi j'ai commencé la photo animalière sans système de camouflage comme ça. Donc j'ai commencé avec un bête pantalon Décathlon, une veste brune, ça faisait très bien l'affaire. Autre camouflage ultra important, les gants et le visage. On ne répétera jamais assez mais c'est ultra important. Si vous êtes au milieu d'une forêt et qu'il y a vos deux mains qui bougent et votre visage qui bouge, le gibier vous repère directement. Donc les gants, bah, vous prenez des petits gants pour l'été, il y a des petits gants spéciaux sur différents sites, j'en mettrai quelques-uns dans la description. Je mettrai de toute façon dans la description, je pense, des différents matériels, tenues 3D, etc. pour que vous puissiez trouver, voilà. Les ghillie suits et les camouflages 3D, ça se trouve entre 30 et 120 euros. Bon, parfois on peut aller dans des prix exorbitants, mais c'est pas nécessaire. Clairement, moi le mien ici m'a coûté 89 euros. Bon, je l'ai acheté sur un site qui est quand même assez cher. Voilà, j'ai pris une bonne qualité. Maintenant, une de Decathlon à 30 euros, ça fonctionne bien aussi. Autre camouflage qui peut être intéressant, c'est un lens coat. Lens coat, à la base, c'est une marque. Donc si vous tapez lens coat, je vous mettrai le lien aussi dans la description. C'est une marque qui propose un système assez sympa de manchons en néoprène que vous venez enfiler sur votre objectif. Alors vous achetez pas n'importe quel lens coat, évidemment il est adapté, il y a un lens coat adapté à chaque objectif, même pour certains objectifs grand angle si vous voulez, si vous avez envie de donner un style à votre appareil, c'est possible aussi. Maintenant ça coûte assez cher, on est entre 90 et 150, 170 euros je pense pour différents lens coats, ça dépend de l'objectif évidemment. Si vous avez un petit objectif, ben, forcément il y a moins de néoprène à mettre donc ça viendra moins cher. Alors à quoi ça sert ce système? Ben, déjà premièrement à camoufler un peu l'appareil, surtout pour les appareils Canon qui sont très très blancs. Maintenant les Nikon, ben, c'est mieux aussi d'avoir quelque chose de naturel plutôt que de noir dans une forêt. Et ça permet aussi d'éviter les griffes. Ça tu le coupes. Ça permet aussi d'éviter les griffes parce que si vous achetez un objectif neuf que vous enfilez directement le lens coat, ben il n'y aura rien qui pourra griffer. Si vous frôlez un peu de trop près un arbre, que ça frotte un peu sur l'écorce, ben, c'est le lens coat qui sera griffé, qui coûte 100 euros plutôt que l'objectif qui en coûte 1005. Du coup si vous le revendez 5 ans après, ben, l'objectif en dessous du lens coat il est comme neuf, en tout cas au niveau des griffes évidemment. Une dernière chose pour les camouflages, choisissez un camouflage en fonction du terrain où vous allez.
Si vous filmez comme ici en forêt où il y a un peu de neige mais il y a quand même des feuilles, je peux me permettre de mettre un camouflage comme ça. Si maintenant je vais filmer en haute montagne qui a 3 mètres de neige et qu'il n'y a pas un caillou qui dépasse, clairement si je mets ça, je vais être repéré tout de suite. Donc mettez un camouflage plutôt blanc si c'est en haute montagne, voilà, si c'est dans des roches, il y a des camouflages qu'on appelle digital camo qui sont des camouflages gris. Comme les, je crois que c'est les marines américains qui ont un camouflage comme ça. Donc, il existe beaucoup de types de camouflage pour beaucoup d'environnements. Donc, à vous de choisir le camouflage en fonction de votre environnement. Parce que forcément, si vous êtes dans le sud de la France et que il y a que de la végétation cramée toute jaune, bah, si vous mettez un truc très foncé, ça va se voir tout de suite. Dernière chose importante pour réussir à bien se camoufler dans un milieu comme celui-ci et pour pas que l'animal nous repère, c'est d'utiliser le milieu pour se camoufler. Donc clairement, si vous allez vous mettre debout droit comme un i au milieu d'une prairie, vous allez être repéré tout de suite. Si par contre, au coin de la prairie, il y a un arbre avec une souche qui part, avec le bas de l'arbre qui part un peu sur le côté, si vous avez un arbre tombé, des choses comme ça, vous pouvez vous coucher derrière, et là, bah, tout de suite, vous rentrez dans le milieu, vous devenez presque invisible, puisque vous faites partie du milieu, en fait. Donc ça, c'est ultra important, c'est vraiment observer le milieu et réfléchir à où est-ce qu'on va se mettre. Alors, autre chose évidemment, c'est le camouflage olfactif, donc le camouflage des odeurs. Si vous allez au restaurant le vendredi soir, que vous vous pomponnez, que vous mettez plein de parfums et que le samedi matin vous vous êtes pas lavé et vous partez direct en forêt, oubliez, vous verrez rien. Si vous puez le parfum, vous verrez rien. Donc, ça va aussi à ce niveau-là. Alors, je dis pas qu'il faut pas se laver, clairement, c'est pas utile de pas se laver. Maintenant, évitez de mettre une tonne de shampoing et de mettre votre déo favori. Quand vous allez en forêt, regardez le sens du vent. Donc pour ça, il y a plein de solutions. Alors la plus connue en photo animalière, c'est une petite poire dans laquelle vous mettez un peu de farine, vous poussez un peu dessus et là, il y a un peu de farine qui s'envole. Autre chose, quand il fait froid comme ça, vous soufflez très fort, il y a de la vapeur qui s'échappe, vous voyez dans quel sens elle va. Ah, vous avez le sens du vent. S'il fait très sec, vous prenez un peu de poussière, vous la lâchez, vous avez le sens du vent. Donc il existe plein de systèmes. Si vous avez des cheveux longs et qu'il y a un peu de vent, vous aurez le sens du vent, vous regardez la végétation. Pour voir le sens du vent, il existe plein de systèmes. Et donc forcément, en fonction de là où vous vous mettez pour voir les animaux, vous réfléchissez pour que l'odeur entre guillemets des animaux vienne sur vous et pas que ce soit votre odeur qui aille sur les animaux. Sinon, ils vous repèrent directement. Les gros mammifères, style biche, chevreuil et autres, ne voient pas très très bien. Par contre, ils sentent super bien. Donc si vous êtes mal mis par rapport au vent, vous les verrez pas. Ou alors vous les verrez courir très loin à 200 mètres de vous et vous aurez aucune photo. Du coup voilà, cette vidéo prend fin tout doucement. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez un peu le montage, les plans, etc. Ou forcément ça bouge un peu plus, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus dynamique avec Gauthier. Voilà, si vous avez des suggestions, vous avez des envies de cours particuliers, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de mettre la petite cloche pour être au courant dès qu'on sortira une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt. Ciao !